Bonjour VOD, nous sommes sur A Plague Tale Requiem, chapitre 7. Nous allons continuer et je vais cacher ma cam. Tac, tac. Pour l'immersion, et je vais laisser le cadre. Allez! j'ai coupé le son, excusez-moi. Voilà. Désolé, ça commence sur un écran blanc de ses morts. Je lance vite. Ouais, j'aurais pu... c'est vrai que j'ose pas cliquer sur quoi. Ma manette! Le problème de Worm, c'est que Trapine, il va encore gagner, il va se la péter pendant 10 ans. Écoutez, on peut bien lui donner ça, hein. Il y a de l'écho. Ouais, quand je crée, il y a de l'écho, ouais. Ah, quand même. Bah, je suis dans un salon, hein. Donc une pièce potentiellement grande et surtout haute, en fait. Genre, franchement, le placement, il est à 3 mètres ou plus, même. En vrai, il est à plus de 3 mètres de haut. Ce qui est rare. Alors, Amicia. pour rappel, on avait rencontré un mec qui nous avait marave tantôt. Storytelling. Amicia et Hugo, enterrés seuls dans le comté de Provence à la recherche de Lille, pris en chasse par des hommes du comte d'Arles, ou d'Arles plutôt. Ils se sont frayés un chemin dans une carrière abandonnée. Durement blessé lors de sa confrontation avec Arnaud et à bout de force, Amicia force Hugo à recourir à son pouvoir afin de leur trouver une échappatoire. Faisant face au flot incessant de soldats, Hugo perd le contrôle des hordes de rats, submergeant l'endroit. C'est alors qu'une main salvatrice et inattendue vient tirer Amicia d'une mort certaine. Et cette main-là, c'est un ennemi à la base. Désolé, je bois un petit coup. Et on est parti. Pour rappel, Locke avait tenté de faire la fougère. Un soldat lui est tombé directement dessus. Ouais, alors ça, par contre, ça dégoûte. Genre, il passe par là, le soldat. C'est une armée d'oiseaux. Ah, mais on avait déjà vu ça. Bon, bah, désolé. Si toi, je sonnerai la charge. Oh, je peux, Amicia. Si tu veux. Non. Mais reste bien en vue. Allez, soldats, chargez. Si on avait eu plus de gars comme lui dans nos rangs, on aurait battu les Anglais depuis longtemps. Qu'est-ce que tu connais à la guerre? J'étais chevalier avant, en Guyenne. Oh, on vient de Guyenne. Un beau gâchis. C'est vrai. Mais pourquoi il nous aide? J'ai un peu oublié. Enfin, il a vite fait expliquer un truc du style « il a des soucis ». Et il a besoin d'elle pour pouvoir s'enfuir. Mais je sais plus quels sont ses soucis. Oui. Et ne reviendront pas de suite. Enfin, j'ai pas... En fait, j'écoutais à moitié, tellement j'essayais de savoir qui c'était. Sûr. Oh, je ne crois pas. Un jour, il sera assez grand pour choisir. On verra. On verra. Alors. Ça a l'air calme. Quelqu'un habite ici? Non, je ne pense pas. J'aimerais bien vivre ici, moi. Juste devant la mer. L'isolation a pas l'air dingue quand même. Non, laisse-moi passer! Alors, excusez-moi, je suis un petit peu énervée là. Non, parce que je comprends pas pourquoi il m'aide et il m'énerve. Alors, on va aller là-bas et après il faudra que le scénario nous dise de passer en dessous. On y est. Me dis pas que c'est ça ton bateau. Bien sûr que non. Mais ça y mène. Tu vois ce poteau? Il y a une corde accrochée dessus. Tire le bateau d'ici pendant que je me charge de pousser. Tu peux faire ça? Pas sûr, je suis tellement faible. Quand tu es prête. Pas sûr, je suis tellement revenir. Je vais t'aider, Amicia. Bien. Continuez. Arnaud! Quoi? Recule! Non, t'as chien! Oh merde! Merde! Il t'aime bien, on dirait. Ils ont failli m'avoir. Oui. D'où est-ce joué, j'avoue. Allons, allons. Bon, libérons le chemin. Je pourrais les faire bouger. Ça s'est mal terminé l'autre fois. C'est pas pareil. Je peux y arriver. Oui. Essayons. Oh, trop bien. C'est vrai? Doucement, d'accord? Oui. Donc ils t'obéissent vraiment? Comment tu fais ça? D'où ça vient? Chut.
Ah oui, faut que je fasse gaffe à ce que la barre elle soit pas remplie. Et je fais quoi en fait? Ah oui, d'accord. Je les emmène là-bas. Respire. Ouf, allons-y alors. Ils vont pas nous suivre, hein? Je sais pas. Tu te trouves appétissant, toi? On leur donne à manger parce qu'on est sympa. Sans vouloir vexer, petit gars. Ok. Oh, c'est marrant, on voit des... Donc tes contrebandiers sont par là? Je pensais que c'est des traces de pas de rat, mais on dirait pas, en fait. Tu sais quelle grue de rat, ton raccourci? Oui. Ça veut dire aussi moins de soldats. Et on a le petit, non? Seigneur, je n'aime pas ça. Moi, je loot, moi. Ah, j'ai pu recycler un truc. Attendez, faut que je crafte. Attendez, si je commence à recycler, ça veut dire que j'ai trop de matos. T'es content? On passe quand même. Parfait. N'aie pas peur. Sans blague. Hé, hey, petit gars, ils t'obéissent. Balance-les tous dans la mer. J'en contrôle que quelques-uns à la fois. Excellent. Ok. Par contre, ça me saoule de l'avoir à la main, le petit. J'ai envie de le lâcher là. Pose-toi quelque part, assieds-toi et laisse-moi tranquille. Bon. Du coup, il y a ça déjà. C'est quoi ça? Tu l'as utilisé contre mes hommes? De l'alchimie. Recette secrète. Je me fiche de la recette tant que ça marche. Tu verras. Mais ça suffit pas? Remarque, le jeu nous donne des pots et tout, je crois, donc bon, j'imagine qu'il faut que je passe par là. Y a pas d'autre truc vraiment? Voilà, dans l'air. Y a air. Bon. Let's go. Un pot, hein, c'est ça, hein. J'ai eu un problème de touche. Je vais pas bien. Y a un petit souci de touche. Mais vous inquiétez pas. Ah, l'écran blanc! Ça, j'en ai marre! Allez! Désolé, hein. Ça vous nique les yeux sans raison. Gratos, comme ça. Pif. Quoi? Bah ouais, le gamin, qui colle tout le temps comme ça, c'est chiant, quoi. Parfait. N'aie pas peur. Je veux dire qu'on puisse... On n'ait aucune interaction nous permettant de lui dire stop. Balancez tous dans la mer. J'en contrôle que quelques-uns à la fois. Excellent. Je veux dire assieds-toi, attends-moi, viens quand je t'appelle, des trucs comme ça, j'aimerais bien quoi. Alors excusez-moi, je me suis un petit peu embrouillée. T'en fais. On fait même plein. On fait un check. Voilà. On est bien. Ensuite, on fait ça, c'est easy. Ensuite. C'est quoi ça? Tu l'as utilisé contre mes hommes? De l'alchimie. Recette secrète. Je me fiche de la recette tant que ça marche. Ah non! Je voulais faire un pot. Bon, c'est pas grave. Ah, ça a pas marché du tout. Oh, j'ai foiré. Oh, je suis dégoûtée, excusez-moi. Bon, ça me saoule. Flemme. Oui, bah je t'envoie une torche. Mais toi, gamin, tu veux pas te mettre dans la grotte, là, tranquille? J'ai raté, mais c'est pas grave. En fait, je mets trop de temps à me rappeler des touches constamment.
Donc les trucs où j'ai pas le temps, bah c'est chaud. Monte, vite, je m'en charge. Je m'en charge de me monter. Ce sera utile. Ce petit bâton. Suis-moi, point. Comme ça, suis-moi. J'avoue, ce sera pas assez. Non, allez! D'accord. J'en ai posé un. Je sais pas si ça marche. Allez, grimpe, entendu. Ce petit bâton. Attendez, là, y'a pas du loot là? Oh. Je sais pas, j'ai mis un bâton en bas au cas où j'avais besoin d'un deuxième parce que je sens que j'en avais besoin d'un deuxième. Il a des pop. Putain. Je peux pas l'allumer? Ah voilà. Restez près de moi. On y va. Je te fais confiance. Et me serre pas comme ça, ça me fera pas aller plus vite. Désolé. Mais c'est assez dur de garder son calme. Bah il me sert pas du tout en fait. Ouais, ben, je vous plains. C'est quoi ce... What the fuck? Ça allait pas du tout au niveau du... des dialogues. Monte. Allez, je m'en charge. Là par exemple, vraiment le principe d'avoir tout le temps le gamin qui te Monte. Suit, ça a pas compris. Du tout. Bon, regarde. Les grottes continuent par là-bas. Voilà notre chemin. C'est ça un raccourci pour toi? Oui, bon, avec ces rats, on devrait faire demi-tour. Non, j'ouvre la voie. Tu me suis et tu fais ce que je dis. Oh, toi, tu vas partir, hein. Vivant. Oh, t'es sur toi. Oh, tu vas partir, hein. Bon, allez. Un carreau d'arbalète en feu sur la planche. Sur la planche? C'est pour ça qu'il y a plein de carreaux d'arbalète. Ok. Ah, c'est parce que c'est censé rester, d'accord. Ok, je viens de comprendre. Eh ben, je saurais qu'on peut faire ça, j'avoue que j'ai pas essayé. Bonsoir Sam, bonsoir Gaël. Nickel. Oh, walp. Et voilà, facile. Tu peux pas prendre une torche toi aussi, mec. Tu n'aimes vraiment pas les rats? Personne les aime. Oh non. Quoi? Un petit puits de lumière. C'est quoi ça? C'est un nid. Oh, ne me dis pas qu'on doit aller là-bas. Oh, trop stylé. Si. On devrait pas. C'est ça, ou on reste ici. Un chariot. Tes contrebandiers ont dû l'abandonner. Je ne vois pas pourquoi. Je vois rien. Ah voilà. Ah, ah non, je peux pas aller chercher du feu. Je vais être obligée de gâcher mes combos, ça dégoûte. Je mets 5 minutes à chaque fois à m'appeler. Je vais en crafter d'autres. Let's go. Respire un grand coup, on y va. Ça va être. Il aide pas? Ah bah quand même. Non mais le petit, faut qu'il arrête de se mêler de ce qu'il regarde pas. Tu es sûr de toi? C'est le seul moyen. La lumière du chariot nous protégera. Je suis pas prêt à ça. Cette odeur. C'est quoi cette chose? J'en ai la chair de poule. Ils fabriquent ça avec les choses qui les attrapent. Comme des gens. Mon bon sang. Ah ouais. Ah, il y a plein de corps et tout. Non mais waouh. Ça a commencé là-bas. Tu... Mais je l'ai pas fait exprès. C'est à cause de toi? Il ne peut rien y faire, d'accord? Nous aussi on subit tout ça, comme tout le monde. Comment ça il peut en y faire? C'est l'enfer qu'on mérite tous. Je veux que ça s'arrête. On ira à la cour. On te soigne. Non mais vraiment sérieux hein. C'est... Je veux dire, on est d'accord que c'est le gamin qui est responsable quoi. Sinon il les contrôlerait pas. Ça fait quelle taille ça? Ça pourrait être un géo. Oh j'aime trop. Par ici je pense. J'aime beaucoup le swag de cet endroit. Je trouve qu'elle a du style.
Et vous, c'est quoi votre style? Ah! Oh non, ça dégoûte. Désolé. Oui, bah on... Ah, bah zut. Ah là là, il est tombé. Tu veux pas le rejoindre, Hugo? Va l'aider, va l'aider. Bon, d'accord, d'accord, je t'aide. Bien malgré moi. J'avais envie de coller des baffes à certains moments. Oui, hein. Ah, surtout vraiment, t'as pas moyen quand il te colle. Pourquoi? Il est dangereux. Toi aussi. Et toi alors, ta gueule? Mais on a besoin de lui. Hey, j'ai besoin de vous ici. Bon, très bien. Amicia, regarde, les cristaux jaunes de l'épisanguis. Tu as raison. Elle est revenue. Ah, c'est des cristaux jaunes. Ah, enfin. Ces cristaux jaunes près de toi. Casse-en un bout et envoie-le-moi. C'est bon. Je suis prêt. À ton signal. Cherche ta touche. Parfait. Ça ne marchera pas tout seul. Le fils de Kratos dans God of War. De quoi rendre ça volatile. Ah, les mondes dans les cheveux, c'est compliqué, hein. Mais oui, bah j'ai envie de... Franchement, dans God of War, les God of War de maintenant, là, ils me donnent envie, mais... Enfin, je dis les, parce qu'il y en a un autre qui va sortir, si j'ai pas de connerie. Ou qui est sorti. Désolé, j'ai pas trop suivi. Mais ça, c'est un des trucs... J'ai peur que ça me saoule de fou. Vous pouvez désormais fabriquer de l'odoris. Ok. Voilà, de l'odoris. Essayons-le. Arnaud, tu vois ce point surélevé avec la manivelle? Quand je fais bouger les rats, tu fonces là-bas. L'odoris quoi? Je lisais pas, je lisais pas. Ça fait quoi? Ça attire, c'est ça. J'ai compris. Du coup, faut que je fasse un pot. Un pot d'odoris. Alors là. Maintenant. Oui. Je sais pas ce que c'était, mais tu m'as sauvé la mise. On n'est pas sorti d'affaire. À quoi sert la manivelle? Aucune idée. On pourrait l'essayer. Un pot de... Oh bah vas-y, essaye hein. Arnaud, occupe-toi de ça. J'imagine que c'est un rapport avec cette énorme chaîne. On dirait que tu pourrais utiliser qui traverse ça, le plafond. Avec ton arbalète magique. Laisse-moi voir. Comment ça mon arbalète magique? Mais j'ai même pas utilisé mon arbalète... Attends, ok. Hein? Qu'est-ce que je fais là? Je mets de l'odoris? Attendez, j'en réfléchis. Point. Et on s'en va, Hugo, en vrai. Ouais, j'imagine qu'il faut que je mette de l'éclairage. Alors. Je fais n'importe quoi! Mais n'importe quoi, là! Voilà. D'accord, c'est pas... Non, mais c'était pas ça. Mais je m'en doutais. Ah non, si. Il faut que je fasse maintenant... Si c'était ça. Petit carreau là. Pif. Ça rafeuille en fait. Arrêtez. Ok. Ça change quoi de faire ça? Arrête maintenant! Ça me va! En fait, je sais pas où est la suite. S'il faut que j'aille vers lui ou s'il faut qu'il aille vers moi, mais j'imagine que c'est lui qui doit aller vers moi. Donc en fait, c'est pas de la lumière que j'aurais dû mettre, c'est du Doris. Mais du coup, maintenant, faut que j'éteigne ce que j'ai fait. Arnaud, occupe-toi de ça. J'y vais. Yasir, tu peux te décider, s'il te plaît, ça devient long. Tu peux la récupérer? Non, je veux pas.
Bon. J'avais mal compris. Désolé. Yeah. Non, je fais la même. Je suis chelou. Faut que je reprenne un carreau. Tu plaisantes ? Je mettrai ses potes au feu. Allez. J'ai refait tout à l'heure, mais là je l'ai pas fait. Fichu, saleté. Hop là. Bon, je recycle ça. Je suis là. Oui. Content d'être en vie ? J'ai été de toutes les batailles. J'ai regardé la mort en face autant de fois. Oui bon, passe comment là ? C'est chiant. Tu veux, tu fais des trucs machin. De nouveau à bleu. T'es entraîné maintenant. T'es le roi de l'optimisme. Non, je ne vois rien sur quoi tirer. Et je n'ai rien qui tiendrait assez longtemps. Non, non, il faut qu'on sorte d'ici. Attendez, j'ai une idée. Tire un carreau enflammé sur mon bouclier. Quoi? Mais il va brûler. Il a vraiment l'air de s'en soucier. Ah merde, j'ai recyclé l'autre carreau. Je vais le faire. Ah, je l'ai senti passer. Bien. C'est con hein, que personne pense jamais à garder une torche auprès de soi. On y va. Allez, viens. Hey. Ce feu me grille le visage. Ouais, bah on y va. D'accord. On va y arriver. Je vous le dis. Comment ça, il te grille le visage? Ne mets-toi loin. Regardez-moi celle-là, je retournais dans leur trou. Ah, c'est ça. Reculer devant la puissance de la muraille. Tu vois, même toi, tu t'y habitues. Oui, c'est eux qui ont peur de toi maintenant. Bon sang, oui. Mais j'ai l'impression d'avoir le bras en feu. Mais c'est la muraille. Et la muraille a pris assez de coups comme ça, gamin. Mon corps est aussi fourbu que mon bouclier. C'est ça, la guerre. On touche au but. Tiens encore un peu. Oh, je vais tenir. Ça, je sais faire. Sympa. Oui, c'est bon, stop. En fait, je vais arrêter. Ah, voilà. Bien, c'est bon. Ah. Est-ce que tu t'es brûlé? Pas exactement. Juste une bonne tuée. On devrait avancer. De toute façon, il résiste. Il est inifugé, le type. Je lui ai foutu le feu plein de fois et il n'y en a rien à battre. Il est même pas un peu rougeâtre, genre. Normal. Bien, mettons-nous au travail. Alors, est-ce que je dis des choses? Non. La réponse est non. Si, je peux prendre le niveau 1 de tout. Je vais peut-être attendre un peu. Oh, j'ai le nez tout froid. Attendez, je le réchauffe un petit peu. Voilà. Ah, je peux rajouter une nouvelle poche à mon équipement. Oh, vas-y, je prends direct. C'est quoi, arbalète? Mais faut voir les autres trucs aussi, Lox. Je peux les récupérer sur les cadavres. Ah, parce que deux carreaux, c'est ridicule. Fronde. Je peux tirer une deuxième fois sans recharger. Vas-y, je garde. En fait, je vais garder. Tirer une deuxième fois sans recharger à la fronde. Ça m'intéresse beaucoup. C'est la grosse épave ? Oui, on y est presque. Toi, la grosse épave. Elle a installé sa planque derrière ce bateau. Elle ? Oui, Sophia. Le scorpion des mers. C'est la chef. Elle a l'air effrayante. Moins effrayante que ces maudits rongeurs. On verra ça de nos propres yeux. Allez, un dernier effort. C'est chiant, là. Faut que je fasse des... Faut que je fasse du ça. Ah. Oh, mais tu peux pas faire un saut aussi, toi? Merde. Comment t'as fait évoluer ton perso avec tes compétences automatiques? Parce que ça, j'ai rien. Ah ouais, bah en fait, ça. C'est pas.
T'as pas grand chose à capter, c'est en faisant que tu fais évoluer ton perso. Je sais pas où on le voit, alors je retourne là parce que flemme de chercher. Moi c'est prudence, agressivité, j'ai tout. Bizarrement hein, je suis pas super agressive alors que pourtant j'ai l'impression d'avoir le gameplay le plus agressif qu'il soit. Quoique non, après je tue pas tout mais... Opportunisme, donc c'est quand tu utilises beaucoup la chimie, agressivité c'est quand tu utilises beaucoup la fronde dans la gueule des gens. Et prudence c'est quand tu restes vachement accroupi et que t'es lâche. Et moi ça me correspond pas mal, j'utilise beaucoup la chimie. Alors voilà. Moi je suis une opportuniste lâche. Et ça me va très bien. Ouais, il y a du matos. Monte. Oui. Non mais on va pas tous se suivre, il y a juste tes loot là, je parie. Ce bateau n'ira nulle part. Regarde, il y avait son nom ici. On peut plus le lire. Oh non, je l'ai débloqué un souvenir, c'est ça ? Beaucoup de rochers et de sable au cours de ses voyages. Ça doit être triste de perdre son nom. Bah, trouve-en un autre. J'ai écouté tout le monde au début et j'avais opportunisme à fond. Pourquoi pas ? Mais parce qu'en fait... Qu'il le mérite. Il s'appelle... Mon agressivité arrive en jet dernier, j'ai rien compris. Je pense que c'est vraiment si après tu fais plein de kills différents et tout, j'imagine. Il l'a bien mérité. Tu viens ? Ah, je me doutais qu'on avait un souvenir à la con. Eh, les collectibles, c'est ça qu'on dit. Collectible. Ah, j'ai un bug. Mais bref, les trucs à collecter dans les jeux où maintenant ils rajoutent les souvenirs, ça me fatigue en fait. Vraiment, ça me fatigue. J'en ai marre que les jeux soient bourrés de trucs à collecter. Useless au possible. Et là, ça nous donne même pas d'éléments de lore. Oh là là. Ça va, et toi, Bivok? Ah mais faut que je les attire. Faut que je les attire. Attendez, je vais les attirer. Peut-être. Mais j'ai pas de peau. Et je vois patoune. Ouais, c'est vraiment un délire. Mais maintenant les patounes, elles ont mille formes. Mais oui, c'est exactement moi, ça, ouais. Les contrebandiers, ils sont combien ? Toute une bande. Ça marche bien à la main en fait, je pensais qu'il fallait un pot. Dans toute la Méditerranée. Mais non. Sophia est un peu leur phare dans la nuit. C'est une sainte pour eux. Et c'en est une, de sainte ? Oh que non. Qui parle là ? Je pense qu'il faut que je me dépêche, ça va brûler lentement ça. T'es en train de s'éteindre, non? Oui, si, t'es en train de s'éteindre. On sait rien en fait, dans le doute, pas cela. Ah ouais, c'était complètement en train de s'éteindre. Ok. Cassez-vous là! Casse-toi! Ok. Et Patoon? Oui, les jeux à Patoon, c'est les jeux où t'as juste des trucs à collecter pour avoir des trucs à collecter. Ça vient effectivement du Royaume où c'était des petits trucs à collecter en forme de pattes. Mais voilà, c'était juste ça le seul vrai objectif du jeu. Juste tu collectes ça sur ton chemin, un petit peu comme les pièces de Mario. Et on s'emmerde. C'est pas tout à fait ça, parce que bon... Heureusement, c'est des jeux qui ont d'autres objectifs. Cachez-vous. Des soldats. Regarde autour de toi. Cet endroit est un foutu labyrinthe. Mais c'est fatigant en fait qu'ils en rajoutent mille différents les souvenirs. Oui, des soldats. J'ai l'impression que ça vient de Breath of the Wild. Laisse-moi faire. Toujours pas confiance en moi. Mais au moins, dans Breath of the Wild, bon, ça. C'est des trucs que tu trouvais un peu trop sans chercher, quoi. Là, bon. Enfin, je sais pas. Puis bon, t'es amnésique dans Breath of the Wild, alors ça te donne des infos intéressantes. Là, ah, il y a un bateau qui a échoué. Oh là là, bien fait pour leur gueule. Attaque ! Ils arrivent !
Et pourquoi il attaque pas lui? Voilà, c'est chiant. Tu as défoncé, merci. On fait quoi, Amicia? Bah, on fait ça à chaque fois. Des intrus, saisis. Mais tu vois, le fait que je fasse ça, moi je pense que même si ça le tue, ça me fait augmenter le côté alchimie. Parce que je me sers de l'alchimie. Je pense. Ubisoft est balèze pour patouner. Voilà, c'est pas du tout un jeu Ubisoft, donc je pourrais pas dire. Mais là ça va, en vrai c'est léger, c'est juste que ça me saoule parce que ça se démocratise de fou, genre c'est dans tous les jeux quoi. Les fleurs, les plumes, les souvenirs, bah oui c'est nul. C'est pas intéressant, c'est dommage en fait de rajouter des trucs comme ça qui rajoutent rien à l'histoire. Parce que bah là pour le coup les souvenirs ça aurait pu être intéressant, mais ça l'est même pas. Ceux que j'ai trouvés ne me donnent aucune info du lore. Et ça, voilà, c'est une petite cinématique un peu. Je te l'ai dit. Le comte veut faire un grand ménage en Provence. C'est de la folie. Can I loot? Loot. Je te loot. Je te loot tous les jours. 5 carreaux. Bah, je recycle. Alors je peux descendre là, mais je vais die, non? Is ok. Is ok, mais maintenant j'aimerais bien remonter en fait. Monte. Allez, je m'en charge. Astuce facile en tant que développeur pour ajouter de la longueur. Oui, c'est sûr. Non, mais je sais bien. Est-ce que c'est fun? Bien sûr que non. Bah, je dirais qu'il y en a qui ont un intérêt parce qu'à la fin, ça va te donner une récompense. Autre qu'un succès. Dans certains jeux. Dans d'autres, ça t'en donne pas, quoi. Ouais, je suis quasiment plus malade. Hein. Je tout saute encore un petit peu. Mais c'est léger. Bon, hier, j'ai un peu forcé sur ma voix pour faire mon personnage RP. Bon, c'est très cool, hein, mais c'est juste que à la base, je devais pas jouer trop longtemps, j'ai joué un peu longtemps. Je suis presque sûr qu'elle pique aussi. Mais attendez, j'ai pas looté ça? Il me dit que ça brille. Ah, mais non, j'ai pas looté ça là-bas. Mon Falloc, tu te lootes pas? Monsieur, je te loot. Ah, j'ai peur, je croyais que je pouvais pas ouvrir un coffre en ayant une torche dans les mains. J'allais te chafouiner. Alors, qu'est-ce que vous espérez trouver sur Laguna? Un oiseau. On espère trouver un endroit sûr. Oh, c'est chiant comme toi. J'avais des sources en ville. On m'a parlé d'une sacrée bagaille dans la forteresse. Je fasse ça. Oui. Ça. Allez, mon arme. Voilà. Ça. Ça. Allez. Ah. Je fais ça. Oh, c'est bon, ouais, commence pas. Voilà, et là c'est... Non mince, c'est pas fini, j'ai pas fini, il y avait un carreau à looter, je l'ai pas loot. Merde. Je voulais pas. Vite. D'accord. Je voulais pas du tout faire ça, j'ai pris le mauvais, j'ai pris celui qui était allumé. Ça va, ça va. Bon. Je comprends pas pourquoi parfois... Bon, on va faire ça. On va faire ça.
C'est cool, hier le RP un peu bugué mais fun. Ouais, en ce moment il y a beaucoup beaucoup de soucis. Ça vient pas spécialement du serveur, ça vient du fait du logiciel qui sert à faire fonctionner, j'imagine, tous les serveurs RP. Il y a plein, ils ont plein de problèmes en ce moment. Redem. Ok. Si je fais genre ça. Ah, ça suffit pas du tout, je pensais que ça suffirait. Du coup, je pourrais pas looter ça là-bas. Bon, c'est pas grave. Pas grave. Ah, bah y en a ici! Oh mais cours un peu vite aussi toi. Alors. Je vais voir si dans mes trucs. J'ai plus de peau. Voilà. Faut aller là-bas? Faut aller là-bas. Oh, écoutez, on va voir ici hein. Attends, arrête! D'accord. Non, je vais laisser, je vais pas gâcher ça. Se battre et tuer des gens avec des trucs chimiques, ça monte l'opportunité. Je pense, j'en sais rien, c'est vraiment ce que je viens de dire, c'est qu'une supposition. Bah moi perso j'étais au contraire plus agressive avant d'avoir l'arbalète. Perso. Mais voilà, encore une fois j'ai dit c'est vraiment c'était de la supposition. Ces soldats sont trop stupides pour elle. Je parlais des rats. T'en fais pas, elle est le scorpion des mers. C'est elle le vrai fléau. Très bien. Bon. Je sais plus où faut que j'aille, bon, faut que j'aille là-bas, faut que j'aille... Je viens d'où moi? Je viens de là, c'est ça? Bon allez, on va faire un petit coup d'arbalète, on va voir. Non merde. Super, je l'ai pas allumé. Hein? Ça marche pas? Vraiment quoi? Oh, le jeu qui te cherche à te faire utiliser tous tes compos pour 2 cm parce que t'es un perso qui est pas capable d'enjamber quoi. Alors, pas tout de suite, j'ai des doutes. Fatigue, je sais même pas pourquoi je vais par là. Je sais pas si c'est bien. On y va. Hein. J'ai peur qu'elle soit un scorpion. De mes yeux. Ouais. Un passage. Tu contrôles les rats, mec. Discret. Oh, j'ai pas regardé s'il y avait des trucs à loot. Bon, après, je manque jamais de compos. Hein. Si, je manque de munitions, mais c'est surtout parce que je peux pas en avoir beaucoup. La cachette est tout au fond. Avoir 2 carreaux. Non. Très très peu. Non. J'ai peur des vagues. Oh non, oui. Ouais. Oh. C'est rien que de l'eau de mer. Regarde. Elle a raison. Mais. Hugo, s'il te plaît. Je suis fatiguée. Écoute, pense à ton île. Mais il y a des vagues! On est presque arrivés. On peut en discuter après? Ah, oh, commence pas toi non plus! Je te prends la peur! Je vais me porter jusqu'au bout, voilà tout. Voilà, je m'en doutais. Bien. Et voilà. Seigneur. C'est assez haut pour toi? Mais un sup. Oh, regarde, tu ne touches même pas l'eau. Oui. Eh bien, ça ne doit pas être facile tous les jours d'être si petit. Ça dépend des jours. Tu as toujours peur?
Contre les rames, il a 6 ans, comment tu veux lui faire confiance? Mais je fais zéro confiance, hein. Parce que t'es comme une forteresse. Exactement. Je ne laisse rien passer. Et ton bouclier ressemble à une muraille aussi. Eh, t'as oublié qu'il a essayé de me buter 3 fois, toi? Connard de frère, là. Allez, monte, là, s'il te plaît. Voilà. Merci Arnaud. Non, oui. Mais ce. Merci beaucoup. On me saoule et tout ça. Rencontrer le scorpion des mers. Oui, bah arrête d'en parler là. Je parie que ton machin n'existe pas là. Au risque de te déplaire. Scorpion des mers, si je t'adore. Oh, mais je t'en prie. C'est moi, abruti. Laisse-le passer. Ni, je suis scorpion des mers et ni. Arnaud. Ouais, ça va. Même si ça bosse dur, hein, les scorpions. J'étais pas seul. Enfin, le traumatisme crânien aussi. Mais oui, non, mais il a essayé littéralement de me buter. Le trauma crânien, c'est juste la conséquence légère de sa tentative. Voilà, mais ça dégoûte, hein. Le petit a du potentiel. Mais la grande sœur, il va falloir la dompter. Vas-y, essaye. Tu vois. Je constate que tu lui as déjà laissé un souvenir. N'aie pas honte, trésor. Ça te va bien. Qu'est-ce que tu veux? Ton Rafio, on doit aller à Lacuna. Affaire personnelle. C'est fini, Arnaud. J'ai l'armée du comte sur le rable. Et des milliers de rats qui grattent à ma porte. On arrête les frais. Je les renvoie tous chez eux. Alors, viens toute seule. Sophia, tu me le dois bien. Vas-y, là. C'est d'accord. Meralda, fais pas ta relou, là. L'océan m'appelle à nouveau. Moi, bon, j'avoue que j'aime beaucoup son swag. Large. Allons-y. Juste une chose. Quoi? Si tu la touches une seule fois devant moi, je te tue. Ah bah tiens. Vendu. Et au fait, les hommes du comte ont mis mon bateau en cale sèche. Oh, l'appel de l'océan. Ça, c'est plus vrai que jamais. Je dois dire deux mots à mon équipe. Allez voir au village, mon navire est là-bas. Je vous rejoindrai. D'accord. Venez. Alors... C'est le moment de l'année où tu veux tout plaquer. Sauf que c'est pour de bon cette fois. Bien sûr. On va jouer aux osselets en attendant que tu reviennes, comme toujours. Oh, moi aussi je veux ça. Comment ça? Bah il l'accompagne pas? C'est la Denise des mers. Elle aussi la Maurice, elle la connaît. Bon. Il pleut très fort. Ouais, oui, il pleut, j'aime pas. Mais pourquoi ça lagouille là? Vous voyez cette lumière? Les petits frises. Enfin, du village de pêcheurs. Le bateau de Sophia est là-bas. Est-ce qu'on va vraiment naviguer? Oh, j'ai le nez tout froid. Reste là. Qu'est-ce que tu fais? Oh ouais, il va tout niquer. Vas-y, je l'aide. Pas ça, pas ça, ça. Joli travail. Maintenant, il y en a un autre qui arrive. Et oui, bah et alors? Je peux m'occuper de lui. Mais oui. Tu n'as qu'à me le dire. Je commande et j'exécute. Je veux bien. Vas-y. Il est à toi, Arnaud. C'est toi ou moi. Ted, t'as vu? Hop là. Merci beaucoup, bro. Oui, je vois ça. Oh, vas-y, fais pas ta mijaurée là. T'as tué 74 personnes avec ton truc là. Avec un caillou. Y'a des rats ici? Bah non, pas trop. J'ai eu. Non mais c'était moi d'abord, c'est bon, calme-toi. En fait c'est moi qui l'ai eu, je savais pas que je pouvais. Lui il a un casque. Bon.
Donc j'attends qu'ils soient dans les hautes herbes. Et là, on peut les buter avec le feu. Là, par exemple, je pense que ça fait total augmenter mon agressivité. Parce qu'on n'utilise pas d'alchimie. On tue des gens gratos. Mais j'avoue, c'est j'aime bien. Vas-y, non, alors, non, pardon. Ça gueule. Hein ? Mais qu'est-ce donc ? Oh non, non, pas alerte. Oh, il dit alerte. Oh, je peux. Mais c'est vrai que je peux. Attendez, je peux utiliser mon arbalète là. Oh putain, je fais trop de temps. Super. J'ai deux munitions là, ça fatigue. Ça fatigue. Ah, attendez. Ah, lui, je peux faire ça. Attends. Hop. Mais je suis par les rats. Ça n'a pas du tout marché, ça dégoûte. Alors attends. Attends, je m'entraîne. Ils sont partis par là. Non, on est là. On est en face de toi. Inutile. Yeah. Là c'est juste pour tester. Est-ce que je peux récupérer mon carreau? Non, j'ai pas augmenté le truc. Je récupère du soufre quand même. Il est méchant. Alors. J'aime bien parce que il a des potes quoi. Allez. Qu'est-ce qui bouge quoi tout sera vu. Faut aller voir tout près. Oh mince. Non, non. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il vient de Paris? Porte quoi à toi hein. Alors, faut que je tue un à l'arbalète et l'autre Arnaud il le bute. Je me suis trompé de touche. Attends, ne t'accroupis pas. Attends, attends. Mais trop fort aussi Arnaud, d'où j'ai besoin de l'aider en fait. D'accord, non mais au bout d'un moment on a un cheat code dans la poche. Vas-y Arnaud, tue tout ce. Tue la moindre difficulté. Un peu dommage qu'il soit si fort. D'accord. Faut que j'aille où exactement, j'imagine là-bas. Hein. Le level design me dit c'est là-bas. Arrête. Mais c'est chiant. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Allez, monte. Alors. Non. Arnaud, charge-toi de lui. Arnaud fait tout, stop. Et je l'ai aidé pour de vrai. Mais je peux jamais aider moi. Arnaud, occupe-toi de celui-là. Ah, j'aurais pu peut-être aider là. On verra. Pas besoin. Je vais fouiller un peu alors.
Non mais je... Ah, ça m'énerve de pas savoir par où je dois passer. Ok, soit là-bas c'est la suite, soit c'est par là d'où j'aurais pu arriver et je continue là-bas, c'est ça que je... Donc on va tout faire dans le doute, au cas où. Voilà. C'était quoi? Il est à toi, Arnaud. Il est à toi, il est prêt. J'ai plus de carreau, merde. Arnaud, occupe-toi de celui-là. Merci. Est-ce qu'il y a des carreaux? Y'a pas des carreaux. En fait, c'est juste qu'on peut arriver par plusieurs endroits, j'imagine. Même si je comprends pas trop encore une... Ouais, c'est que je peux passer par la plage ou je peux passer par là si je veux jouer infiltration en fait. En gros quoi. Voilà, un petit peu du craft. Mais non, effectivement, là, c'était bien la suite. C'était bizarre, ce bruit. C'est bizarre ce bruit de cri venant de mon ami derrière moi. Attends, je t'aide Arnaud. Attends. Désolé. Voilà. Merde. Je vous promets que je fais pas du tout exprès. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est peut-être plus facile quand on est clavier souris. Parce qu'à la manette... Ouais, bon, celui-là, on s'en fout. J'ai l'air trop deg. J'ai quoi comme capacité, moi? Désolée. Ah, je peux faire ça. Attendez, je vais essayer ça. Ah, je déconne. Je pensais que ça le pousserait. Il fallait que je cours, j'ai pas couru. Mais c'est que bon, si j'avais couru, il m'aurait vu, alors je sais pas. Ça devient pire que la Guyane ici. On avance plutôt bien. Comment va ta tête? Ça va. J'aime bien ta coiffure. Remercie-moi. Oh, pitié. Bouge sur mon arbalète. Oui, c'est ça. Attendez. Le petit freeze, non? Mais je viens juste de remarquer qu'il y avait plein de petits freezes. Je pense savoir à cause de quoi. Et les petits frises comme avant. Ah, j'aurais pas dû.
Easy. J'espère que la VOD sera correcte. Je suis vraiment désolée de cette qualité. C'est à cause de mon changement de cam, j'aurais pas dû faire ça. Attendez, je regarde. Ah là là, je suis désolée, j'avais pas vu. Faut pas hésiter à me le dire quand vous voyez ces frises, hein, parce qu'ils étaient plus normalement, ou plus ou presque plus. Et là, ils sont affreux. Oh, je suis désolée. Je viens juste de me rendre compte avec ça après une heure de jeu. Avec Arnaud, doute. Enfin, je vais jamais. Il y avait pas avant. Ouais. Non, mais je pense que c'est parce que j'ai remis le logiciel de ma cam qui fait une plus jolie cam, mais en fait, c'est affreux. Donc, je ferai plus ça. Je relancerai le live après. Après cette session. Parce que ça, le problème, c'est que c'est le seul moyen de. On va mettre les choses anormales. Faut se débarrasser des rats avant. Ah. J'allume l'homme, je sais pas trop pourquoi. Ok. Les hommes ne valent pas mieux. De seuls font rien. Pas de quoi être fier. Mais tais-toi, toi. J'entends pas ce qu'ils disent. Ah voilà. Mais je peux pas passer là. Ah mais je peux passer là, j'avais pas vu. Ah ça me saoule. Pardon, je suis dans un mauvais mood là. Maintenant que j'ai vu les soucis. Si y a un mauvais mood. Ça me saoule un peu. J'ai pas looté ça si tout à l'heure, non. Attention à pas tomber, j'ai serré. Ouais, je peux peut-être faire un carreau là-bas. Ils sont pas attirés là, eux ils s'en foutent. C'est un peu dommage. Du coup si ça je renforce. Ah non, je fais peut-être un truc qui les attire ailleurs. Je sais pas.
Bah, aller là-haut. C'est grand, hein. C'est sympa, mais du coup, je me perds un peu. On oublie. Mais... Ouais, oublie, bro. Les autres ici. Attends, attends, attends. Non, t'inquiète. Ah merde! Non, mais je pensais qu'il avait. J'essaie un truc, j'ai pas réussi. Je pensais qu'il allait ouvrir son bouclier avant de me taper, que j'aurais le temps de faire un truc, mais vu qu'il y a l'animation qui se met en route, bah j'ai le temps de rien faire. Je veux juste lui faire un petit coup. C'est mais correct quand même. Ouais. Je trouve ça affreux moi quand ça freeze. Tiens, ça freeze. Il est trop long lui, non mais d'accord. Et lui il se fait pas attaquer par les rats. Hein. Je comprends pas toujours quand même le côté rat. Là tout à l'heure je me faisais attaquer alors que j'étais bah, dans la même luminosité que maintenant où il n'y a pas un seul rat, donc j'ai un peu du mal à comprendre. Genre là logiquement autour de nous il devrait en avoir full. Je sais pas. Attention en descendant. Descendu un peu vite et j'ai rien vérifié. Pas toujours logique, il est vrai. Ouais, hein. Ça a l'air sûr. Il est toujours sympa, hein, mais. Ça ira. J'avais moins cette sensation de les rats attaquent au bon moment, enfin des endroits logiques ou pas, dans c'est le premier, là. Il me semble. On peut aller le voir en attendant. Mais aussi dans le premier, c'était beaucoup plus progressif, alors peut-être que ça m'a moins marqué. Je vais l'accompagner. Repose-toi. Tout ira bien. On sera pas loin. Envoie les rats sur lui s'il t'embête. Oui. Ne te réjouis pas de ces choses-là, gamin. J'ai jamais vu le premier, donc je peux pas comparer. Ouais, c'est vrai que dans le premier aussi, c'est un peu plus progressif, l'invasion des rats, forcément, c'est le début. Tu peux plus t'échapper. Bah alors, le scorpion, on galère ? Mais pourquoi elle tombe? Ouais bon, ça peut s'expliquer. Excusez-moi. Non. Oh là là, je suis gris là. On se connaît. Et vert et gris. Et j'ai déjà une dette envers toi. Non, tu ne me dois rien du tout. Ça fait partie du code. Bien alors, soyons amis, si ça peut aider. On peut essayer, mais tu finiras par vouloir me tuer toi aussi. Oui, après... Elle veut tuer un peu tout le monde, la petite, donc... Mais en vrai, ce jour, on aurait pu... Enfin, je sais pas. Je vois tellement une tentative manquée de faire un jeu multijoueur, en fait. Je sais pas si vous voyez comme moi, parce qu'on passe notre temps avec un autre personnage. Faisons quelques changements. Et ouais, j'ai un peu cette sensation. Non mais je veux ça, je le trouve de la fronde là. Voilà, l'agressivité elle a bien augmenté. Même si elle gère mieux son calme quand elle est attaquée, récupérant plus vite les coups qu'elle reçoit. Ah, ouais. Pardon, regardez, je te... Mais c'est aussi cette ambiance maussade là qui me déprime. J'espère qu'ils l'ont pas abîmé.
L'effet waouh qu'on avait au tout début me manque. Je le veux, parce que l'endroit est beau, hein, mais... Cette ambiance maussade. Arnaud. Oui, Hugo. Je suis là. C'est incroyable. Pourquoi il y a toujours de l'orage quand les choses vont mal? Rentre dans la cabine, les choses peuvent aller mal avec un beau soleil. À la cabine. Alors, comment on met ce Rafio à l'eau? Va lever l'ancre avec Amicia. Mais oui, mais on est trois. Vers la Kuna. C'est la manivelle à la proue. M'en charge. Non mais oui. Ça sert pas à trois, il est immense le machin. J'ai le sentiment que le jeu a quelques maladresses. Ah, peut-être bien, oui, oui. C'est une encre. C'est fait pour ancrer. Ah mince, fallait que je tourne. Enfin là, c'est pas l'encre qui fait que le bateau part pas, hein. C'est qu'il faut quand même le pousser un peu. Sophia, je crois qu'ils ont bloqué l'encre. Oh, les abrutis. Allez sur le ponton avec la manivelle. Ça contrôle la chaîne. Hein? Faire quelque chose ? Je vais voir. J'ai pas compris. Je suis sur le ponton là. Ah non, sur le ponton. Pardon. Pardon, pardon, pardon. L'ancre est de l'autre côté du bateau, Amicia. Oui, mais il est où le ponton ? Il y a un autre ponton de ce côté-là ? Ah oui. Ah, et puis merde. On va les attirer, je pense. Sophia n'a pas l'air de t'apprécier beaucoup. Ça change en fonction du vent. Mais elle m'en doit une de toute façon. Pourquoi ? Pour ne pas l'avoir tuée quand on m'en a donné l'ordre. Je vois. J'aurais pu faire ça. Je le voyais pas du tout de loin. J'aurais dû être attentive. C'est cette chaîne qui bloque l'ancre. Il y a un contrepoids avec un verrou. Je pense que je peux le briser. Ah, faut que je lui demande de le faire alors. Arnaud, à toi. Je m'en occupe. On y est presque. Ton frère verra bientôt la Kuna. J'espère, oui. La Kuna. Tata. Kuna. Tata. Oui. Joli. Maintenant, levons l'ancre et mettons les voiles. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va nous empêcher de partir? Je t'aime bien, alors. C'est trop dangereux en bas avec les rats. Ah oui. Je pensais que le poids du poisson ça suffirait. La voie est libre. Non. Maintenant oui. Amicia, oui. Est-ce qu'on part ? Non. Et qu'est-ce que j'ai dit ? Retourne dans la cabine. Oui, capitaine. Qui suis-je dit ? Ne parle plus jamais de toute ta vie. Allez, il faut remonter l'ancre. Ah merde, c'est juste... Faut faire un tour, un rond avec le joystick, faut pas tourner tout le temps dans le même sens. Calme-toi, calme-toi. Oh, il y a le lever de soleil et tout. Je parie que le ciel va se dégager quand on va partir. La voile ne se lève pas de mon côté. Ah non, c'est pas... C'est du feu. Viens, viens. Encore. On part le sort d'un orage quand même, non? Merde. Ces salopins ont noué ma voile. Alors détachons-la. On n'a pas le temps de monter là-haut. Je peux essayer de la couper? Oui. Va sur le ponton tribord. T'auras un meilleur angle. Fais pas de trou dans la voile, surtout. Qu'est-ce qui se passe? Rien, prépare-toi. C'est le ponton tribord. La Kuna.
Laguna. Ah oui, tiens, mais il rentre. Super. Ah non, mais c'est ça qu'il faut que je coupe. Où ça? Ça, j'ai rien compris. Attendez, j'ai rien compris. Ah oui. J'ai vu le poisson s'écraser sur la trappe, j'ai ri. Oui, j'avoue que j'étais là. Ah, zut. Non, mais je sais pas, là je suis fatiguée. Suicidaire dans cette famille ou quoi? Tout va bien, je te tiens. Chapitre 8. Une mère de promesses. Une mère de promesses. J'avais un message. La mer est tellement calme. Rien que l'horizon. Profites-en. Peut-être arrêter la VOD là-dessus. Yep. Des bisous VOD, c'était le jeu